Mesdames et messieurs, bonsoir. Exceptionnellement ce soir, avant les titres, voici les déclarations du maître de la nation. Dès demain matin, 10 h, la vie va peu à peu reprendre un sens légitime. Toutes les personnes non citoyennes, entre autres ariennes, ne pourront plus librement circuler. Un système de ségrégation sera donc mis en place dans les transports en commun, les restaurants, les commerces. Les citoyens pourront continuer de jouir de tous leurs privilèges. Quant aux autres, ils ne devront pas avoir accès aux espaces réservés aux citoyens. Tout contrevenant à ces nouvelles mesures s'expose à une amende de 4 500 € et, en cas de récidive, à la prison à perpétuité. Notre nation n'attend que d'être libre et heureuse. Et ce soir, nous prenons enfin la bonne voie. Vive la nation. Vive les citoyens. Et vous venez d'entendre les déclarations du maître de la nation. Nous vous rappelons les principales informations à retenir de cette intervention. Toute personne dite non citoyenne, soit arienne, ne sont désormais plus autorisées à se rendre sur un lieu de travail ou d'études supérieures. Elles devront être séparées des autres citoyens dans les cafés, restaurants, lieux publics et transports en commun. Tout s'expose à une amende de 4 500 €. Des mesures qui rassurent et qui devaient être prises. Notre pays se couchera ce soir dans la tranquillité. Écoutez ces quelques témoignages de Laurent Marius et Christophe Arcand. Heureux, mais je suis super heureux. Mais écoute, demain je vais sortir, mais fier d'être brun. Je pense que le maître de la nation il a bien fait, mais il aurait pu faire encore plus, je trouve. C'est vraiment bien qu'on soit tous ensemble à travailler dans le bien commun pour la nation. Le maître a eu raison. Bien, ça me rassure, c'est une bonne chose, surtout pour les enfants. Il y a beaucoup de blonds aux yeux bleus qui traînent dans ce village et ça me rassure. Premièrement, la crainte, l'angoisse parfois, suivie du soulagement et enfin, aujourd'hui, le bonheur. Nous vous proposons ce soir un reportage spécial retraçant 10 ans d'images à la recherche de nos libertés, de la ségrégation aux raflariennes, un reportage signé Jean-François Riglet et Regina Perrin. 1er décembre 2020, peu de temps après la prise de pouvoir du maître de la nation, les réformes de la ségrégation anti-arienne ont été mises en place. Dès le 2 décembre, notre pays changeait de face. Les commerces ont dû réétiqueter la marchandise et séparer les articles citoyens des articles ariens. L'objectif était que le monde ne soit plus. Cela était valable pour les caisses des magasins, les restaurants, les bars, mais aussi les transports en commun et tous les autres lieux publics.
ce jour, les Ariens n'exercent que de sous-métiers et n'ont droit qu'à très peu d'avantages sociaux. Un très grand nombre d'arrestations sont effectuées sur le territoire par la nouvelle unité des forces de police, les brigadiers, souvent de loyaux jeunes hommes défendant la nation. Non, ça va pas être possible. Voilà. Allez, venez-nous. Les interpellations sont parfois musclées. Arrête ! Janvier 2024, jour du grand basculement. La peine de mort est rétablie pour les personnes ariennes et être arien devient désormais un crime. Pour la première fois à la télévision, nous vous proposons ce soir ces images d'une exécution. La toute première, celle-ci date du 24 janvier 2024 et nos équipes ont été autorisées à les diffuser exceptionnellement.
Laissez-moi! Laissez-moi! Dans les années qui suivirent, plusieurs réformes ont participé à accélérer le nettoyage de la population. Les Aryens peuvent maintenant être abattus en pleine rue, ou plus tard, directement à domicile, par les nouveaux brigadiers.